Bonjour YouTube, bienvenue sur cette rediffusion qui sera peut-être séparée en plusieurs parties. Comme ça, ça vous empêchera pas de regarder la vidéo si ça dure 5h30. Je pense pas faire un live de 5h30. Voilà, je pense pas. Ça, on va dire que ça c'était la bonne époque, hein. Mais ça c'était avant. Alors, je baisse le son, voilà. Et on va pouvoir jouer. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, mais pendant qu'on voit un petit peu justement la petite introduction, très classe hein, l'introduction d'ailleurs. Salut Sefto, bonjour. Salut Xolmas, bonjour. Salut Réal, bonjour. Tu changes pas le jeu sur Twitch? Si, c'est fait. J'ai changé juste avant de commencer le live. Pourtant du menu Switch qui rame avec ce jeu. Alors bizarrement, c'est vrai que pourquoi je l'ai choisi sur Switch? Parce que je trouve que c'est un jeu qui s'adapte vraiment très bien à la console. C'est un jeu fait pour une console comme ça. Et allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est vraiment un jeu qui est fait et adapté pour cette console, en tout cas de cette manière-là. Et je trouve que ça passe très 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 bien. Voilà. J'ai failli jeter ma Switch il y a 5 minutes à cause de ce level de merde. Ah, lequel? Ça va le son, d'accord. Mais nul à chier ce Sonic si les graphismes sont pas beaux. Salut Fufu, en fait, j'ai oublié de te dire bonjour, désolé. Et bonjour à tous, hein, bonjour à toutes et à tous. Choupi, Olex, Fusod, Ringa, Xolmas, Draker, tous ceux qui sont là depuis le début, Bestie, enfin bref, vous êtes tous là, c'est gentil, merci beaucoup, merci les gens, on va jouer un peu. Donc bah, je vais continuer ma sauvegarde du coup. Alors, ma sauvegarde. Je sais pas en fait, parce que j'ai perdu. Autant vous dire, j'ai perdu un endroit, donc est-ce que je vais reprendre à cet endroit-là? Je ne sais pas. Je pense que oui. Lava Reef. Voilà, donc on reprend exactement à cet endroit-là. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de se mettre le filtre de l'époque. Hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Bon, allez, c'est parti. On y va. Donc là, je découvre. Hein. Là, je découvre. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Hein. Un petit peu, du coup, ce que ça donne... Bon, Sonic Mania, j'en reparle un petit peu vite fait. De toute façon, je vais tester le jeu, donc c'est pour ça que je vais pas trop en parler ici. Mais bah Sonic Mania, c'est peut-être, j'ai envie de dire, le Sonic que tout le monde attendait, ou en tout cas le vrai Sonic 4. Le fameux. C'est quand même dingue de se dire que il a fallu attendre quand même qu'un mec fasse un jeu comme ça parce que ces gars étaient incapables de le faire. Enfin, c'est chaud quoi. Je sauvegarde après chaque acte 2. Alors ici il faut faire quoi? D'accord. Au niveau de ce que tu vois avec des hauts de boss opérés dans l'acte 2, c'est que les game over peut tout recommencer. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Oh merde! J'ai oublié de prendre le... C'est bon. Alors par contre, voilà. Je vais pas vous cacher que quand j'ai vu ces niveaux de merde, j'étais absolument pas satisfait du tout de les retrouver. Une horreur. C'est une horreur à faire ces niveaux. C'est une putain d'horreur. Surtout qu'en plus, pour avoir la médaille d'or, faut récupérer tous les anneaux. Lol. Hein, c'est sympa, puis ça fout la gerbe. Enfin, je sais pas vous, mais je trouve que ces niveaux-là foutent une gerbe monumentale. C'est peut-être que moi, hein. Oh putain. Oh putain, je sortais de... Alors, puis en plus, ça augmente de vitesse, hein, forcément. Allez, voilà. Et bien évidemment, j'ai appuyé, ça ne marche pas. Tu joues avec les manettes détachées, non? Tu joues avec la manette comme ça. Un stage bonus chiant. Ah non, mais les stages bonus comme ça, c'est une horreur, c'est une horreur. Ah, je les déteste. Ah oh. Bah oui. Non, mon bonus. M'a volé mon bonus. M'a volé. Volé mon bonus. Attends, il y a quelque chose de l'autre côté ou pas? Ah. Il y a de l'eau. Enfin, il y a de l'eau. Il y a des pièces. Casse-toi. Il aura mal à la tête à force de tourner en rond. Bah, moi j'aime pas ces niveaux-là. Hein. Comme je l'ai dit, je les trouve pas hyper intéressants. Oh. 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 Cool, la musique en fond.
La musique a été bien travaillée, t'as les thèmes de base, bien joué, tu vois, t'as les thèmes de base des Sonic, mais en même temps, ils ont fait des bons petits remixes. Je trouve que ça passe bien, quoi. Et salut Nig, au fait, bien sûr. Attention! Ah, c'est parti, ouais! Attention, ça va péter! Ah oui, l'éclair. Ah, l'éclair au chocolat. Ça, c'est bien. On atteste le Renault à deux queues. Le fameux renard. Alors... Puis surtout, moi, je trouve quand même que les niveaux sont vraiment, vraiment bien conçus. Ah, j'ai pas vu. Je trouve que les niveaux sont vraiment bien conçus, en fait. Non! C'est pas celui-là que je voulais! On va pas... Je peux pas le reprendre, le coup? Quoique, ce serait peut-être intéressant d'avoir plutôt... Oh putain, mais t'es sérieux. Bon bah, c'était intéressant de l'avoir, jusqu'au moment où je ne l'avais plus, évidemment. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Yes. Le bumper, ah papa. Attention. Bon, évidemment, Tess qui fait n'importe quoi, ça change pas. À d'habitude. Ah oui, pas mal. Attends de voir le dernier niveau avant de dire qu'ils sont bien conçus. Ouais, mais c'est que le dernier niveau. Non. Non, mais même les autres, hein. Là, par exemple, le niveau... le niveau Studio Police, qui est en fait le... On va dire l'espèce de niveau casino de ce Sonic Mania, je le trouve hyper bien conçu, hyper bien... Et hyper intéressant, en fait, à jouer. Lui refuse un bouclier feu dans le lavari. C'est la vie, c'est ça. Les bruitages sont un peu forts. Ah! Les bruitages sont un peu forts. Bah attendez, je vais baisser un peu. Voilà. J'ai baissé à 22. Salut Zelos, comment vas-tu? Ah! Un bouclier! Que je vais m'empresser certainement de perdre. C'est toujours comme ça, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Pourquoi ça tremble? Cassez-vous. Une vie! Une vie! Mais prends-la! Mais putain, mais qu'il est con. Qu'est-ce qu'il se passe? Je crois que c'est la lave qui monte. Je crois, hein. Je suis pas certain de ce que j'apprends. Non, connard. Oh putain, oh là là, j'ai fait que de la merde. Ah là, j'ai fait du gros caca, là, mais... Oh, putain. Sans déconner. Il est totalement pupute, le dernier niveau. Cool. un niveau pupute dans un Sonic, s'il y en a pas, c'est que c'est pas un niveau pupute. Les bruitages sont pas forts, c'est juste que vous avez pas l'habitude de jouer à Sonic. Ah! Allez, on le refait! Ça te tenterait d'aller se play en live sur des jeux Telltale? Ah non, pas du tout. Non. Attends. Allez, ramasse les pièces. Comme ça, vous avez bien la gerbe. Hein. Y a pas de raison que ce soit que moi qui l'ai. Avec ces niveaux dégueulasses. Et apparemment, après, c'est pour, je crois, débloquer des bonus. Les médailles qu'on récupère. Ah, ça y est, ça va plus vite. Ah, mon dieu. Ah, putain. C'est par là. Je vous assure, c'est une horreur. C'est celui qui a pensé ces niveaux-là à l'époque. Franchement, qui... Ah, ouais. Enfin, bref, quoi. Vous avez compris. Une horreur. Ah, alors, du coup, maintenant, c'est là où il va falloir bien chercher.
Non, mais quel abruti, putain! Voilà, voilà! Voilà pourquoi je les déteste, ces putains de niveaux! Quelle merde! Alors là, faut faire quoi? Ouais, parce qu'apparemment il se met du dégât tout seul. Bim, allez. Ah non, mais putain, mes sous-sous. Pas mes sous-sous, mes anneaux. Allez, bien à tomber qui se mettent là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah! C'est bon. Là. Oh quoi? Ah mais là je peux rien faire aussi du coup. Ah oui, d'accord. Non, non, mon anneau! Mon seul et unique anneau. Et bien sûr, je l'ai pas fait rebondir. Ces stages cassent le rythme du jeu, il y en a trop. C'est un peu comme Crash, tu t'énerves sur le jeu, mais au fond, t'aimes bien le faire. C'est ça, hein, c'est ça. Tu joues très bien, Bibi. Merci. Merci beaucoup. Oh, c'est joli. Ça, vous voyez, ça c'est le genre de truc que j'aime particulièrement, en fait, dans ce Sonic. C'est que... C'est qu'en fait, chaque niveau est vraiment différent. Enfin, différent. C'est-à-dire que tu vois, on a le niveau de base, qui fait évidemment repenser à des anciens niveaux de l'époque. Et tu as... Merci. Et prends un anneau! Et tu as, en fait, la... On va dire la variante. Et je trouve ça vraiment hyper, hyper intéressant. D'accord, tout ça pour ça. LOL! LOL! La... Mon précieux, salut Reg, bonjour à toi, comment vas-tu? Non! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Oh la salaud de salut! Ah! Je vais pas vite là. Dégage, connard. La vie! Viens ici! La vie, la vraie, au champ. Ah bah oui, c'est vrai que je suis en rouge. Enfin, je suis en feu. J'avais oublié. Ouais, Sonic a un nouveau mouvement dans le jeu. Oui, il a un nouveau mouvement, mais je sais pas m'en servir. Oh l'enfoiré! Oh tout juste. Je sais pas m'en servir, j'arrive pas à le faire. Ah, casse-toi. Oh putain, ok. Ça va bien. Aucune idée, tu as un lien en secret sur le menu, mais souvent t'as que dalle. Ah! Alors, ça, je suis bien content de le montrer, parce que c'est un niveau, entre guillemets, qui sert à récupérer les Chaos Emerald Pouillère. Et dans l'absolu, ce qu'il faut vraiment récupérer en, je vais pas dire en priorité, mais pas loin, bien, espèce d'imbécile, c'est les anneaux, parce que vous le voyez, plus on avance et plus les anneaux diminuent. Et donc il faut essayer. Donc en plus d'aller choper ce putain d'UFO de brin, là, il faut en plus récupérer des anneaux pour ne pas tomber, pour ainsi dire, à court de carburant. Voilà, pour faire ça. Pour l'instant, je vais pas vous cacher qu'on est un peu dans la merde, là. Allez, reviens. Allez, dépêche-toi. Ah, putain. Ici. Ah, ça va être chaud. Allez.
Allez! Allez! Putain, chope plus! Putain, il s'est mis là, enfoiré. Enfoiré, vite. Ah ouais, c'est bon. Ouh. Je crois qu'ils vont annoncer d'autres jeux à Gamescom. Bah, ils ont annoncé, il me semble. Enfin, il y a déjà un jeu qui a été leaké. J'aurais bien aimé, par contre, lui, le découvrir, mais bon. Ah putain, c'est reparti. Je peux pas passer de l'autre côté? Ah si. Ah ouais, merci beaucoup. Est-ce que je fais les niveaux à la con? Allez, allons-y, faisons les niveaux à la con. Ah mon dieu. Ah, il y en a que 37. Ah, ça devrait aller, alors. Non. Ah! Ah! Ah, mais voilà, j'ai fait n'importe quoi. Bon, voilà, le stress. C'est de la merde, hein. Ces niveaux, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde pure et simple. Hein. Franchement, celui qui a inventé ce niveau... voilà. J'ai juste envie de te dire, voilà. Casse-toi! Hé! Caché. Non! Je garde ma flamme. Non, je n'y vais pas, cette fois-ci. Allez vous faire foutre. Attention! UFO, la façon Sonic CD. C'est ça. Oh putain. Oh putain, c'est quoi ce... Mais je... Non mais je veux juste... Non mais je... Non mais je veux juste... Mais putain, je... D'accord. Casse-toi, tu me saoules. Voilà. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée ça, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que t'as fait, Bibi? Bah le stress. Ah, le stress, comme on dit, le stress des examens. Non, mais j'aime pas ces niveaux. Je les trouve vraiment horribles à jouer et à faire. Il garde sa flamme, mais il est fou. Non, je veux pas les refaire. Non, pourquoi? Je veux juste les... Putain. Saloperie de niveau. Je les déteste. Non, mais putain, pourquoi il n'y a pas de sous, là? Sans déconner. Dépêche-toi. Allez, saute. Oh, c'est tellement pute. Ah, c'est tellement... Mais c'est tellement enfoiré. Mais c'est tellement enfoiré, sans déconner. Ah, papa, attends. Oh, t'es sérieux, là? Pas de stress, y'a point S. Tu as pris la version... Eh, mais d'où je suis mort, là? Voilà, c'est ça de regarder les commentaires. Je me suis fait avoir. Tu as pris la version collector? Oui. Bah, elle est sur le côté. Et je l'ai pas encore déballé. Allez! Allez, saute, mon cochon. Allez, oui. Halloween. Ouf. Putain. Allez, avance. Voilà. Casse-toi, toi. Casse-toi. On peut pas aller là? Ouais, attends. Ah, non. Je pensais. Ah, il fait pas attention. Pourquoi il n'y a pas de sous, là? Une question quotidienne. Pourquoi je suis tombé? Ah, le feu! Et comme on dit, le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Il y a plein de clins d'œil et de références. Mais ouais, mais... Putain, enfoiré! C'est ça qui est bien, en fait, dans ce jeu. Et puis surtout, il y a de bonnes idées. Je crois qu'en fait, c'est ça qu'il faut retenir, en fait, dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le gars t'a fait des trucs que même Sega ne pensait même plus faire.
Ce qui est quand même vraiment intéressant quand on y pense. Par contre, j'ai... C'est normal que j'ai pas eu de... Oui ! Oui ! Casse-toi ! Mais casse-toi ! Wow ! D'accord ! Enfoiré ! Allez, tiens, casse-toi aussi. Ah, allez, tiens, mange Tails ! Qu'il est con. Il saute bien. Tiens ! Il est immortel donc Osef. Heureux qu'il soit immortel. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah bah oui ! Ah ! Ah mon anneau ! Mon anneau ! Mon anneau ! C'est bien Tails ! Allez, saute ! Saute, oui. Non! 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 Mon anneau! Mais putain! Ah oui, bien, merci! Je prends quand même mon anneau, si jamais. Non, c'est bon. Wouh! Toujours aussi con ce Tails. Bim. N64 Mini vont faire leur consent minuscule en fait, bah oui, c'est-à-dire les bonnes idées, parce que de ce que je vois, ça ressemble énormément au Sonic classique. Bah en fait, les bonnes idées. Elle se situe dans le level design, en fait. Oui, ça reste un Sonic comme les autres, mais c'est dans la manière, par exemple, d'aller dans le niveau, des objets, entre guillemets, enfin, des objets, pas des objets que tu utilises, mais en tout cas, des petits trucs que tu vas avoir, des petits power-up, tu vois, ce genre de choses, ou, tout simplement, des petits pièges à droite à gauche, etc., etc. Enfin, bref, il y a vraiment de l'idée par rapport à ça, en fait. Et je trouve que c'est ça qui marche bien, en fait, dans ce Sonic. Après, ça reste Sonic tel qu'on l'a connu. Hein. Il n'y a pas de changement, pas de bouleversement. Mais c'est bien pensé. Il y a des trucs, c'est bien pensé. Puis on revient surtout pas mal à l'esprit, entre guillemets, de vitesse avec Sonic. Ah, bien ! Ah, bien ! Oh, putain ! Oh. Ah, c'est bien ! C'est génial, ça. Non. Drakkar se prohaine. Attendez, c'est quoi ce niveau? Je pense que, à mon avis, ça doit être un niveau clin d'œil certainement au premier... Au premier Sonic The Hedgehog, je pense. C'est pas exactement le même, mais je pense que ça doit y faire référence. Quoique Sonic 1, non. Sonic 2, je pense. Plus Sonic 2. Je sais plus le nom. Mais je pense que c'est plus Sonic 2. Voilà. Donc, ça, très bien. Quel enfoiré, sans déconner. Ah, ça c'est bien ça. Sonic Shadow. C'est fou de se dire que pour satisfaire les fans de Sonic, il fallait juste refaire un jeu de l'époque, chose qu'ils demandent depuis plus de 10 ans maintenant. Mais qu'ils ont fait avec... Et d'ailleurs, salut à toi. Qu'ils ont fait avec Sonic 4, mais moins bien. Voilà, ça paraît con, hein, mais ils l'ont fait, mais moins bien. C'est-à-dire que même Sega à l'époque, ils étaient pas au courant qu'il fallait le faire de cette manière-là. Il a fallu quand même un fan pour dire « Hey les gars, faut faire comme ça en fait !» Voilà. C'est triste, hein. On va pas se mentir, c'est triste. Hein. C'est tristounet. Oui. Ouais. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, si tu veux, ouais. Pas un corrompu de Sonic Mania. Salut Mayhem, bah merci d'être à toi de passer, c'est cool. Sonic Adventure 2, ouais, 2001, ouais, c'est... ça date aussi. Hein. Ah, le boss, le Hugo Boss.
Ah oui, c'est un clin d'œil au Sonic 1. Oh ouais, gros clin d'œil à Sonic 1. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Je pensais pas qu'il y avait une deuxième... Une deuxième forme là. C'est pas mal. Là normalement le panneau va retomber. Non. D'accord. Ah si. Oh putain, je l'ai encore oublié. Salut Spignon, bonjour à toi. J'ai jamais fini Sonic 1, game over au boss final. Ça m'a jamais donné envie de tryhard. Metallic Madness Zone 2. Oh yeah, c'est parti. Et puis surtout, ça paraît bête, mais je trouve que ce qui est vraiment bien avec ce Sonic, c'est qu'on revient vraiment à l'élément de vitesse. Enfin, c'est bête hein, de dire ainsi, mais je trouve que ça, on l'avait un peu oublié dans les Sonic. Non, c'est quoi ça? Mais il est tout petit! Il est tout petit! Mais c'est excellent! Il est tout petit, le Sonic! Putain, c'est énorme! Ah, excellent! Il est tout petit! Ah, énorme. Salut Max. Chibi Sonic. Bah c'est ça. C'est exactement ça. Trop mignon le Tails. Bah regardez. Oh, ils sont tout petits. Regardez les petites animations! Ah, ils sont tout beaux! Ah! Oui, je suis. Ah oui, j'allais dire, je suis censé passer comment, mais oui. Oh, je préférais un petit! Je veux qu'il redevienne petit! Attends, il y a un petit truc, hein. Yeah! Yeah! Ah voilà, tout petit. Ah, j'aime bien quand il est petit. Chibi Sonic. Le mec seul a eu plus d'idées que ces gars en 10 ans d'existence, ça craint un peu quand même. Bah c'est surtout que là, à mon avis, je pense que les gars doivent se dire... Ah oui, quand même. T'as envie de leur dire, ça va les gars, pas trop deg qu'il y a un mec, un seul, qui a eu plus d'idées que vous tous, hein? Puis pas des idées de merde, hein, je veux dire, d'une manière générale, tu vois, ça va, hein. J'aime bien la gerbe, ça. Ah, ah, dommage, ça passe pas. Voilà, là, ça passe. Voilà. Et hop, une petite vie. Yeah! Non! Alors, attends, comment on peut faire? Pas un truc à faire, là? Ah... Ah... Allez donc! Oh bah Manu, c'est intelligent. Ouais, petit Sonic. Ah. Ah mais j'ai perdu mes gros anneaux. je l'affronte en tout petit, c'est normal.
Non mais... Excellent. Ouais, j'allais dire, par contre, ça va te tomber dessus. Reprends les anneaux. Attention. Eh ben, elle est pas contente, je pense. Oh, il y a même les clins d'œil. Oh, énorme. Il y a même les clins d'œil carrément au combat de Robotnik de l'époque. Casse-toi. Casse-toi. Ah, excellent, excellent. Je vais péter. Enfin, je vais péter. Je veux dire, Sonic va exploser, quoi. Enfin, casse-toi, toi. Enfin, je veux dire. Oui. C'est bon. Au moins, Sega a le mérite de laisser le champ libre à quelqu'un d'autre, même si on sent clairement que le gars a dû respecter pas mal de conditions de la Sonic Team. Oui, ça c'est possible. Ça c'est fort possible. Ça me fait penser au AM2R. Le remake de Metroid 2 sur Game Boy par un gars en 6 ans est interdit par Nintendo. Il y en a qui ont juste plus de talent que certains développeurs officiels. Oh, joli. Ben c'est surtout aussi que malheureusement, quand il faisait son remake, on pensait pas que ils étaient en train d'en faire un à côté, quoi, tu vois. Je pense que c'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont dégagé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette boule? Alors, je suis censé faire quoi? Ah oui, d'accord, ok. Ouf! Ouais, ok, j'ai compris. Oh, ce niveau, il va être bien chiant, je pense. Alors, faut bien qu'il y en ait un, hein. Kingdom Hearts et la Pâquerita. Que la vrille transperce les cieux. J'ai même envie de dire les cieux en un seul mot. Putain. Bon, j'ai quand même libéré un cochon. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Alors par contre, je sais pas le truc là, le truc qu'on voit là rouge à chaque fois qu'il apparaît. Je sais pas ce que c'est. La vitesse. La vitesse. Ah oui, on peut, d'accord, on peut bouger là. Ok, je viens de comprendre. Merci, madame. On peut bouger, on peut incliner. D'accord. 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 Voilà, c'est parfait ça. Une boboule. La boboule dans la boboche. Attention. Non, je ne fais plus les niveaux bonus. Oh, allez-vous-en. Allez-vous-en. Non, non, la purge vient après. Ah merde. C'est bien, ça me rassure. C'est très rassurant, hein. Vous vous rassurez bien. Hein. Non. Ah oui, c'est bon. Bah bien. Bah bien. Bah bien. Finir un peu, j'essaie de passer dans un problème, mais sinon bon là il vient bientôt. Merci en tout cas, ça me fait plaisir. A plus. Pas comme les stages de boules bleues. Non mais les stages de boules bleues, c'est une horreur. C'est une horreur. Je trouve qu'ils sont dégueulasses. Oh non. Par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande vraiment ce que c'est après ça. Assez vite.
Attention. La super vitesse. Oh oui, très bonne vitesse. Ah, bien joué. Ah, c'est bien, j'ai perdu tous mes anneaux. Le silence des agneaux. Voilà. Là, on est bien. Tu verras, Billy va forcément l'avoir. C'est-à-dire. Non, mais je veux pas retenir en arrière. Enfin, je veux pas revenir en arrière plutôt. Ouf! Putain, ça passe presque. Voilà! Parfait. Ha 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 ha! Ok, si tu veux. Allez, bien sûr. Bon, j'ai quand même une vie. Ah, oh, y a peut-être un truc là. Ah, je pensais. Non, le cochon. Deux fois le cochon, hein. Oh, putain, j'ai... Ah, je parle du timer. Ah oui, le timer, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais, je fais pas gaffe pour l'instant, mais oui, le timer, là. Ah ouais, pour l'instant, je suis pas en train de m'en faire, mais je suis déjà à 5 minutes, là. Ah non, ne me dis pas qu'il va y avoir un truc avec un timer. Enfin, je veux dire, où ça va être juste un petit peu Tandax Furax. Bon, je suis au boss. Pardon pour le micro. Oh, je fais n'importe quoi. Comment on fait là? Ah oui, d'accord, ouais, tout simplement. Ok, pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Quel enfoiré. Allez. Oh mais... Bon allez, on bourre. Sur le point où on en est. Oh 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 oh. Hop. J'ai essayé de le bourrer un max. Pourquoi je peux pas aller plus haut? J'arrive pas à aller plus haut là. Ah, peut-être avec la puissance de l'ascenseur. Oh! Ah ouais, c'est ça, ça doit être ça. Surtout, t'as de mettre pas. Merde, 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 mon anneau. La puissance de l'anneau. Voilà. Ouh. Attention, bim. Alors là, pouf, même pas. Salut Tsumi. Ah, merci pour le recept, Tsumi. Putain, j'ai rien entendu, désolé. Merci ma poule. C'est gentil, ma poule, merci, des bisous. Des bisous sur les fesses. Bon, Jogo, bon live à tous, Bibi, bon courage pour tes suites de santé. Merci, Texas, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Donc on est d'accord que c'est là le problème. Hein.
ça va être bien sympa. Ouais, ça va être très 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 sympa. Je pense, hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ce niveau? J'ai pas tout compris. Bonne musique, mais ça a l'air un peu chiant, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Salut Mio, comment va? Je suis là sans être là pour l'œil. Putain, ça fout. Merci beaucoup, Tsubi. Merci, mec. Merci infiniment, franchement. T'es un grand malade. You are a big malade. Mais merci infiniment. Merci. Vraiment du fond du cœur. Merci pour tout ce soutien depuis déjà tant d'années et qui continue encore. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Pepo, monsieur. Voilà, je te fais un triple bisou et... sur les fesses ici. sacré Tsumi, mon dieu. C'est incroyable. Ah putain! Après il va faire ah! C'est ça. Comme ça, et après comme ça je ferai eh oh, puis ça fera le nouveau son de Mano. Voilà. Ne me remerciez pas pour cette blague. C'est cadeau, c'est pour moi. Non! Non mais moi je veux les pièces là. Soumis c'est ou peur en fait. Oh! Pour l'instant, je comprends pas trop, hein, parce que je vois des... Il y a plein de... Je vais mourir. Il y a plein de raccourcis, je comprends, mais je comprends rien à ce qui se passe. Donc, de toute façon, si je peux pas aller là... Mais, ah ouais, mais je peux pas y aller. Ah, voilà. Donc si c'est pas là, c'est là. Aïe, tchou. Non! Mais... Non mais sans déconner, quoi. Non mais sans déconner. Non mais vraiment. Putain. Mais c'est pas possible. Voilà, alors là, bizarrement, là, je l'ai eu. La musique est bien, par contre. J'aime bien la musique. Ah, aime bien la musique. Et en télévision collecteur de Symphonia, mine de rien. Ne mêle pas Mano à ça. Si. Alors, attention, voilà. Attention. Là. Voilà. Jusqu'ici... Tout va bien.
voilà, c'est là où c'est un peu tendancieux. Non, je vais pas le prendre, tant pis. Donc, par là, je suppose. Mais pourquoi? Attends, il y a des trucs. Bim! Super vitesse! Et je perds tous mes objets! Je perds tous mes rings, ça sert vraiment à rien! Bon, je reviens ici. Putain, mais je comprends rien du tout. Oui. Alors là, je suis censé faire quoi? Putain, mais c'est tellement le... Je comprends mieux ce que les gens disaient quand ils disaient « Attention, le niveau, c'est un peu de la merde, hein !» Enfin, de la merde. Disons qu'il est particulier. Mais... Ce niveau de merde. Oh, l'enfoiré! Bah, c'est un niveau très sournois, quoi, en fait. Parce qu'en fait, on comprend pas où il faut aller, en fait. Mais par contre, la musique est géniale. Je la trouve super sympa. Mais oui, c'est un niveau un peu... Un petit peu décousu, hein, quand même, fieu. Ah! Ça choquerait, certainement. Ah, je suis retourné quelque part. Je ne sais pas où je suis. Et où faut aller? Bon bah je suppose là. Ah maintenant je comprends pourquoi il disait le timer. Je comprends mieux. On va se concentrer. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. D'accord. Et là, je fais comment, là? Ah oui! Ah ben, faut le savoir! Va de Dieu, comme on dit. Va de Dieu, ça! Va de Dieu, ça! Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Ouf. Fais pas le con. Mais va dedans! Mais pourquoi il va pas dedans? What? Ah oui, d'accord. Ah bon, fallait faire, oui, ok. Amen. Oui. J'ai pas eu de checkpoint. Je fais quoi du coup? J'ai peur. Serait-ce le boss final? Faut que je fasse quoi? Ah, apparemment c'était obligatoire. D'accord. Mais c'est quoi ce niveau? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah, mage. Oh non. J'ai plus qu'un anneau. De toute façon, je pense qu'il faut se faire prendre dedans. De toute façon, on n'a pas le choix. J'ai plus d'anneau. Voilà. C'est bien. Bien, j'ai plus d'anneau. Voilà. C'est très bien. Putain, il est arrivé du premier coup au boss, l'enfoiré. Plus fort Cooper, ça m'étonne même pas. Non, mais là, attendez. Là, je crois qu'on va quand même bien galérer parce que là, le boss a l'air d'être quand même ultra chaud. Tails a été capturé. Belle imitation du perforas. Ouais, je sais. Ça a l'air d'être un peu le boss final quand même. Ah putain! Bon. Donc nous revoici ici. Bon, pour l'instant, ça se passe. Ah, putain. La priorité, tant pis pour les... Merci, merci Olex de me déstabiliser. Ah, alors lui, par contre, j'ai rien compris. Putain, mais je vais perdre exactement au même endroit, hein. Putain. Ah ouais, voilà. Je vais perdre au même endroit. J'ai plus de pièces. Enfin, j'ai plus de pièces. J'ai plus de ring. Mais putain, faut faire comment? C'est très très chaud. Ça pas tant compris. Ah oui, en fait, c'était le but électrique, c'est goldé vu que c'est les bras électriques te font rien. Ouais, mais je ne l'ai plus. Mais putain! Oh mais sans déconner quoi! Oh là 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 là. Ça commence très très bien. Ça commence très 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 bien. Mais alors très très bien. Allez! Ça va être la merde, hein. Le ring à Bell. C'est un hommage au Docteur Octopus, ou pas. Ou pas, ou peur. Va dedans. Pourquoi je l'ai pas touché? Ah putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'était plutôt pas mal. De rebondir là au-dessus. Mais putain! Ouais, là c'était bien là. Bon, par contre, tu reviens toujours au même endroit. Alors là il faut faire quoi? Ouais, bah ouais, voilà. Non, cette fois-ci je l'ai mon anneau. Non, mon anneau. Non, casse-toi. Mais putain. Prends-le là. Ah d'accord, je reviens automatiquement. Non, j'ai rien dit. Ah, ça devrait aller. Là, ça devrait aller là. Allez. Allez là. Ah. Tiens. Ah, avec Knuckles qui nous attend.
c'est beau, Sonic Mania. C'est beau. C'est beau. On a fini ? On a fini ! Sonic Mania, staff credits. Christian Whitehead, voilà, avec la participation de Ed Cannon et Pagoda West Games. Voilà, in association with Sega. Lead développeur Christian Whitehead, voilà. Bah, vous pouvez dire bravo et merci à lui, parce que bon, il a quand même fait du bon taf. Hein. J'ai l'impression que la manette PS4 Hopper est en train de décéder, l'arrêt manette comme ça présage sa mort imminente de batterie. Je suis impressionné, Vivi. Toujours ce technodrome. Fin du jeu, il y a une fin cachée. Je pense qu'il y a une fin cachée, à mon avis. Je pense que si t'as toutes les Chaos Emerald, à mon avis, tu dois avoir certainement... et tu dois certainement débloquer quelque chose. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir autre chose. Oh, Shiraishi ! S'il y avait Shishi ! Il était là ! Bon, c'était Lola, mais c'est pareil, ça revient au même ! Ah, il y a Derek aussi ! Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Oh, putain, ils sont tous là ! Il y a Sheila aussi ! Putain, quel con. Eh ben voilà, non, mais c'est franchement... Je ne dirai rien, parce que c'est ceux qui vont revoir la rediffusion, après ils vont se dire « Ah ouais, mais bon, le test !» Bon bah du coup, on pourra tester le jeu bientôt. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, parce que là, en prévision, il y a Hellblade qui va arriver. On va voir les financiers de Sega. Il dure pas longtemps, le développeur devrait mettre un message genre « Sega, je suis plus fort que toi. » Je pense... Ah, Shishi, il est encore là. Je pense que ça serait honnêtement très mal passé, mais ça aurait été pas mal. Sega, je suis plus fort que toi. Yeah. Je croyais qu'il était seul, le type. Bah, il est... C'est lui qui a fait le plus gros du taf. Mais après, bon, forcément... Ah, Alex the Kid, pas mal. Après, évidemment, le taf global, il y a quand même une équipe derrière pour faire le jeu. Mais le plus gros du boulot, c'est lui. Et bien sûr, la Sonic Team a dû faire chier sur certains points. Certainement. Certainement. Allez, bonne journée à vous tous. Salut Draker, merci d'être passé en tout cas. Dieu merci, y'a pas de Guillaume. Blood and Wine pur. Oui, c'est vrai, oui. J'ai eu un petit peu de retard cette semaine, je dois bien le reconnaître. Indépendant de ma volonté. Allez, The Last Guardian maintenant. Quel jeu ? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, hein, monsieur. D'ailleurs, je me demande si on peut récupérer les gros anneaux avec Tails et Knuckles ou bien s'ils ont un truc plus spécifique. Bonne question. Big Quick. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, le... Je pense qu'il y a des gens, à mon avis, qui ont dû être bien contents d'avoir un jeu comme ça. Je pense. T'es plus très loin de la fin de Blood and Wine en plus. Oui, je sais. Je sais, ça nous permettra du coup après de pouvoir le tester. Le retard avec Blood and Wine, il a plus d'une semaine, mon petit père. J'ai jamais donné de date. Je n'ai jamais donné de date sur le test de Blood and Wine. Attention, j'ai dit que ça serait au courant du mois d'août. On est toujours au mois d'août. Bon, on va dépasser un peu. Hein. C'est comme dans le bâtiment, hein. Il y aura du retard. Hein. Ça sera pas fini en temps et en heure. Ah, il est énorme le gif, Olex. Ah ouais, Blood and Wine, on est plus loin. Plus loin que moi, je regardais pas du coup si jamais. Je pense qu'après, ça dépend de ce que je vais prendre comme extrait ou quoi que ce soit, mais... Peut-être que je vais juste me balader, mais pas montrer de mission. Ça dépend. Genre le drama de Fuzone. Salut MG, bonjour à toi. Le mec en slip, je m'en souviens encore. Merci Reg, merci beaucoup pour le sub. Ça me fait plaisir. Pour le re-sub même. Merci, des bisous. Quel enfoiros. Ton rendu sur le jeu, alors, t'as aimé. Alors, je vais pas trop m'étaler dessus, parce que, évidemment, je vais mettre la rediffusion. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vais couper la rediffusion là, pour YouTube. Comme ça, YouTube ne saura pas. On sera les seuls à le savoir. Au revoir, YouTube.